Bonjour. Je dis, toi qui trouves que j'ai 50 ans, j'ai 40 ans, je ne suis pas mariée, là. Ton problème là, c'est lequel? Tu peux me dire? C'est pas normal qu'à 40 ans, je ne sois pas mariée. Ok, il n'y a pas de problème. Mais si tu sais que c'est pas normal que tu aies 5 enfants de 5 pères différents. Parce que si c'est pour faire un enfant à 20 ans, avec Yao, Kwadjo, Kwame, Seydou, Krotoum, tout ça là, et puis les enfants dans les départager dans les quatre points cardinaux de la Côte d'Ivoire, et puis toi-même tu te promènes dans les carrefours, dans les couloirs de Sikoji, là. Ça a quoi de comportement comme ça là depuis là? On a 40 ans et puis on n'a pas fait enfant. Et ça pour faire mariage tontine comme pour toi là. C'est-à-dire que toi là, le mariage là, c'est qu'on se marie quand on a trouvé sa cote. Mais toi là, tu es comme dinosaure, tu as 20 cotes. Tu as quoi? Tu as quoi à Yopougon, tu as quoi à Cocody. Toi, c'est-à-dire que toi, tu te maries partout, à n'importe quel carrefour, toi, tu te maries. Ça ne pourrait pas faire mariage tontine comme pour toi, là, que depuis là, j'ai 40 ans, je ne suis pas mariée. Qu'est-ce que tu regardes? Et puis, si les femmes même parlent, là, ce n'est pas un problème. Parce qu'elles, là, quand elles ne peuvent pas t'atteindre, là, c'est là elles viennent sur les réseaux sociaux pour t'insulter. Quand elles n'ont pas ton niveau, là, c'est là elles viennent pour jacasser, pour bavarder, pour t'insulter, soi-disant pour t'humilier, pour t'insulter elles-mêmes. Mais toi, l'homme aussi, toi, le garçon qui parle, là, c'est quoi ton problème? Toi aussi, il faut te marier. Faut libérer le salon de ton oncle que tu as assiégé. Il faut libérer le salon de ton grand frère que tu as assiégé. C'est quoi le problème? C'est comment? Hein? Libérer la vie des gens. C'est pas tout le monde qui a faim au point de trouver le premier tuteur pour aller se marier avec lui. Hein? Le mariage là, c'est une institution divine. On se marie quand on a eu sa moitié. On se marie quand on est heureux. On se marie pour la vie. Voilà. Donc, c'est pas tout le monde. Ses parents sont prêts à chasser et puis elles vont se marier. Donc, sur toi, là, il n'y a plus la place dans le salon de tes parents. Que tes parents t'ont chassé, tu allais te marier 10 fois, là. C'est pas la faute de quelqu'un. Faut libérer la vie de la personne. Hein? Ça sert à rien de faire enfant si tu peux pas t'en occuper. Si tu vois que depuis il y a 40 ans, il n'y a pas encore fait enfant, là. C'est parce que non, il n'y a pas fait enfant de 10 pères différents comme toi et puis mes parents vont les nourrir, là. On peut pas me nourrir et puis me nourrir mes enfants. Donc, faut me libérer, faut t'occuper de toi. Tu as trop de problèmes. J'ai 40 ans, je ne suis pas mariée, d'accord, c'est pas normal. Mais toi aussi, ta pauvreté légendaire, là, n'est pas normale. Hein? Donc, faut me libérer, faut penser à toi. Tu as trop de problèmes, pense à toi. Hein? Si tu aimes, là, faut partager. Si tu n'aimes pas, là, il faut partager, c'est pas grave. Maintenant, toi qui as venu m'insulter, là, hein? Il y a qui c'est?